Donc on remercie, donc c'est à la fois le GERM et la Cité des mémoires étudiantes parce qu'on travaille sur le témoignage, sur Paul Boucher, qui est un ami que j'ai vécu, hein, de l'aventure du GERM et des mémoires étudiantes. Et à l'occasion de la sortie du livre Lycée Utopie, nous avons voulu proposer ce que Paul Boucher a accepté, de faire un débat de présentation. Donc, Paul Boucher fait beaucoup de réunions autour de ce livre. Donc là, évidemment, nous prendra sans aucun doute une partie l'aspect étudiant. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être faire une première présentation rapide de pourquoi ce livre, en 10 minutes. Ensuite, on va passer deux documents audiovisuels. Avec son, et à la suite de quoi, Paul reprendra la parole. Alors ici, quoi, utopie, pourquoi? Parce que précisément, ça prend dans le cadre de ce que j'appelle la lutte contre le désenchantement. Il est clair que tous les mouvements, quels qu'ils soient, la tête des carbones est l'exemple même de mouvement qui ne se gaspille pas en institution lourde, qui est très fortement basé sur l'engagement personnel des gens. La recherche d'expérience, au-delà du discours trop moralisateur, d'expérience de vie sur la traversée des grands problèmes politiques, économiques, sociaux du pays, ça, ça les intéressait. Et donc, l'un de ceux qui est là, Michel Duquesne, que je connais bien, que j'aime bien, m'a dit, moi j'en avais marre de refaire ce bouquin, je lui ai dit, j'ai déjà écrit un truc, on va compléter par des interviews, ce qui fait qu'il y a des passages différents de tonalité. Et je l'ai fait, effectivement, en l'expliquant, parce que je crois très réellement, on circule beaucoup, que l'on peut avoir des moyens matériels, que l'on peut avoir des institutions avec les meilleures chartes, tout ce qu'on veut, si les acteurs nécessaires pour utiliser ces moyens, pour animer ces institutions, celle de désenchantement général, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on en rajoute une couche de désenchantement sur une autre. Il y a toujours, j'ai vu céder dans l'immense majorité, 70 ans, c'est extraordinaire ce que j'ai vu disparaître comme militantisme dans des milieux qui étaient très militants. Alors, sur le plan général, sur quoi travaillera l'UNEF, il n'y a qu'à voir ce qui est devenu l'UEC, sur le côté communiste. Il n'y a qu'à voir la crise de l'ensemble de la science catholique de la jeunesse française, la CJF, sur toutes ses branches, le conflit avec les évêques, ou le secrétaire général a démissionné carrément, que je connais bien, c'était quand je connaissais bien, André Vial, le paysan de mon pays. Bon. C'est clair que pour moi, il y a un moment donné que, en étant extrêmement attentif à tout ce qui est moyen, matériel et institutionnel, je crois que la faiblesse du militantisme moderne, c'est effectivement de ne pas tirer les leçons des expériences au niveau le plus précis. On apprend toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on apprend de quoi? Parce qu'en général, le militantisme, pour moi, l'utopie, j'ai pris la définition de, comment il s'appelle, de Ernst Bloch. C'est l'anticipation militante. Il faut anticiper, si on veut changer les choses, il faut anticiper, parce qu'elles ne vous plaisent pas comme elles sont. Sinon, il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à être conservateur. Ça. Mais l'anticipation n'a de sens qu'elle est militante, si on se met en route soi-même pour anticiper. Ça, c'est l'utopie. Alors, je vous fais grâce des querelles étymologiques sur utopie et utopie, le lieu de nulle part ou le lieu du bonheur, tout ça, c'est pour. C'est de l'agrément, c'est du cresson autour de la viande. Mais le reste, c'est ma conviction absolument profonde qu'on peut remobiliser les gens autour d'expériences en les livrant, y compris à la discussion et à la controverse. Ce que je fais depuis l'apparition de ce livre, toutes les semaines, je fais une ou deux réunions de controverse avec diverses générations. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour commencer par ma première utopie, qui est celle donc, de j'appelais Liberté Chérie, découpée de la Marseillaise que je peux chanter.
c'est parce que ce que c'est qu'un gamin élevé, on ne peut plus traditionnellement. C'est à peine la France moyenne, mais c'est quand même la majorité. On n'est pas des pauvres, il n'y a pas de tiers-monde, on est même pas des aristos, on n'est pas des bourgeois. Pour nous, le terme bourgeois dans la famille, c'est pas notre monde. On est effectivement des descendants de petits vignerons, et on est très fiers de la vérité. Mais, bon, le phylloxéra a ruiné la famille, et mon père est tout heureux parce qu'il a perdu un œil qu'on lui offre d'être grave-papier à la manufacture de Saint-Étienne. Et puis parce qu'il peut passer un examen, de devenir percepteur à Roselieur. Je ne sais pas si vous savez où ça poussait. En Lorraine, en Bled, où il y a 100 et quelques habitants. C'est un fonctionnaire que tu peux vivre à peine à condition de faire ton jardin. Donc, cet esprit-là, malgré tout, je pense que pendant tous les discours sur ce qui est populaire, populiste, etc., moi je lis beaucoup de témoignages, j'en vois pas tellement qu'ils soient situés dans cette tranche de vie. Parce que les mêmes traitements. Quand le comte de Neubourg a fait de la résistance avec lui, c'était pas la même chose. Les cheminots, même des copains, là, etc., c'était pas la même chose. J'essaye de raconter ce qu'un garçon ordinaire, dans un petit bled de 900 habitants, en montagne, des paysans, il va vivre ces périodes. Et qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Alors, tu le vis de citoyen. Soyons extrêmement clairs, moi, je suis de ceux qui regrettent qu'on parle que des droits de l'homme. J'ai présidé la commission des droits de l'homme plus tard. C'est les droits de l'homme et du citoyen. Et moi, je crois que l'individualisme des droits de l'homme est une des pires interprétations nocives des droits de l'homme. Ça a donné le droit de l'homme, etc. C'est le droit de l'homme et du citoyen. Parce que dès lors qu'on dit citoyen, on parle de la cité, c'est-à-dire des autres. Hein, et la querelle des droits et des devoirs, c'est une querelle moraliste quand il s'agit de l'individu, prend du sens quand il s'agit du rapport à la cité. Il est normal que si on demande des choses à la cité, il est normal que le devoir soit l'autre face de la même manière. Ce n'est pas toujours vrai pour l'individu. Donc, ça paraît un petit peu longuet, mais c'est ça. Donc, j'ai découvert que j'avais une vie de citoyen. Au départ, je n'avais pas de handicap particulier, je n'avais pas non plus de privilèges particuliers. J'avais une vie de citoyen que peu de citoyens quand même ont eu. C'est pour ça que j'ai quand même décidé de l'arrêter, de la raconter. Parce que j'ai pu faire des expériences d'un bout à l'autre de la société, pas seulement nationale, mais internationale, à un niveau élevé. Le problème de la politique, je ne vais pas raconter là, c'est un chapitre qui manque peut-être. Bon, si j'avais voulu, beaucoup de bons esprits pensent que j'aurais été maire de Lyon et ministre. Bon, ça me fut offert, je ne l'ai pas voulu, à pas des hésitations, je n'ai pas choisi de mener un mouvement politique. Mais je connais très bien ce monde-là. Et plus que beaucoup de gens qui croient le connaître. Et qui écrit. Donc, j'ai enchaîné derrière les sept utopies, c'est l'image de ma vie vue comme un fleuve. Ça termine tel un fleuve. Tu pars d'une source, et puis tu coules, et puis il y a des affluents au fur et à mesure. Dire, tu avances. À chaque stade, j'ai une utopie. La première, c'est effectivement l'utopie de la liberté. Et ça, c'est vrai que je considère que quand on viendra à la Charte de Grenoble et tout, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi on a proposé en ces termes, compris le mot liberté qui a tantôt lui aussi une majuscule ou une minuscule, le choix essentiel d'une vie de liberté, d'une société de liberté, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Le mot démocratie couvre tant d'impostures que moi je l'emploie le moins possible. La liberté, en revanche, j'aime bien, je sais ce que c'est. Liberté de la presse ou pas de liberté, liberté de vote, pas de liberté de vote, etc., etc. Or, ma génération a vécu donc un défi immédiat à la liberté parce qu'il était double. C'est-à-dire la pression de la liberté physique par le pays occupé, etc. L'arrivée à Paniger, au petit bled, l'arrivée du premier motard allemand qui arrive, vainqueur,
qui emprisonne en deux minutes 30 soldats français qui laissent leurs armes. Quand on a vécu ça, on n'est pas le même homme. On n'est plus le même homme, jamais. On sait ce que c'est que être humilié, et on sait ce que c'est qu'être se révolter ou non. Et après, tous les discours du monde ne peuvent rien contre cela. Or, j'ai vu, hélas, une majorité de gens être humiliés, mais ne pas se révolter. Et ça, tous les discours, toutes les analyses ne peuvent rien contre cela. Quand tu as vécu physiquement, que ta liberté physique elle-même va être opprimée, et que, bon... Alors, j'estime que, raconter anecdotiquement peut-être dans l'apparence, mais raconter ce qu'a vécu comme ça, jeune homme, encore une fois, sans handicap ni privilège particulier, au centre de la France. C'était pas inutile. Alors, après, bon, ben, c'est des anecdotes, j'ai pas voulu... Mais ça m'a amené à repérer toutes les utopies successives de ma vie. Je sais pas comment on peut s'y prendre, mais elles s'enchaînent. Il se trouve qu'elles s'enchaînent. Alors, est-ce que c'est les capacités particulières? J'ai pas de modestie, aucune. Je suis trop fier pour être orgueilleux, comme je dis. Je n'ai strictement aucune modestie. Je pense que j'avais certaines capacités, mais j'ai connu beaucoup de gens qui avaient des capacités au moins aussi équivalentes. Peu, supérieures, pas beaucoup. Très honnêtement, pas beaucoup. Mais égales, oui, beaucoup. Alors comment ça se fait qu'on passe à ce qui sera le reste de ma vie, qui m'amènera à tour du monde, qui continue. Il y a une heure, on avait l'ancien ambassadeur du Chine qui nous annonçait que la nouvelle ambassadrice de France en Chine est la fille d'un de mes copains du barreau de Lyon, etc. Donc on repart pour la Chine avec ma femme, bientôt on est en train d'organiser le truc, on nous demande à la Chine. Vous avez une image en Chine parce qu'on est tous les deux docteurs honoris causa de l'Université du Peuple, tout ça. La vie du modeste, oui, le tour, du modeste petit garçon de panissière qui voit arriver un moteur allemand en 40, qui croit que tout est fini, qui se révolte, et qui en est à 87 ans. Oui. À 87 ans, à se dire, ben, je vais repartir en Chine parce que je connais bien la Chine, j'y suis allé 15 fois, et maintenant ils me veulent en Chine. C'est quand même un parcours qui mérite qu'on raconte. Alors, le pourquoi il est là? Chacune de mes utopies passe sur un thème qui sont des grands thèmes qu'on essaye de vivifier. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors la lettre, la liberté, c'est magnifique, c'est pourtant tout est mérite. Mais peu de gens se souviennent que Vichy a voulu remplacer liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie. C'était pas mal monté. Hein? C'était pas mal monté. Et je raconte, tu n'as pas lu. Non, oui. Moi, une des choses qui m'a fortifié, je ne l'ai pas eu au début, hein. Mais ce qui m'a fortifié beaucoup, et une des erreurs, on dit que ça a paru dans le témoignage chrétien. Ce n'est pas vrai. On ne l'a pas eu dans le texte de témoignage chrétien. C'est un truc qui circulait, j'ai cru que c'était un papier de Mandouze. Il m'a dit que ce n'était pas lui non plus, il est mort. Je vais vous le lire, la recherche des historiens. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, quand on m'a mis travail, famille, patrie, à la place de liberté, égalité, fraternité, c'est ce texte que j'ai encore en tête, que je cite là. Pour faire réfléchir. Le travail sans la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est l'esclavage. La famille sans la fraternité, c'est quoi? C'est la caste. La patrie sans la fraternité, c'est quoi? C'est la guerre. Et tu reprenais les trucs. Liberté, le travail sans la liberté, c'est l'esclavage. C'est des travaux forcés, service du travail obligatoire. C'est la déportation d'un mal. Et au bout, la patrie sans la fraternité, c'est la guerre. Ce que je raconte, le maquis de chez moi, hein, est un maquis qui est attaqué par qui? Par des gendarmes français. Il n'y a pas un Boche. Il n'y a pas un Allemand. Donc, travail, famille, patrie ne voulait strictement rien dire. Si on enlevait liberté, égalité, fraternité, on aurait ajouté. Et ça éclaire comme un éclair qui éclaire la nuit. Quoi. Pourquoi des gens voulaient mettre à la place de liberté, égalité, fraternité, travail, famille, patrie? Ça, c'est évident. Parce qu'on disait que liberté, égalité, fraternité, c'était Fraser, c'était l'éloge maçonnique, c'était n'importe quoi, puisque j'écoutais. Alors, travail, famille, patrie, c'était très bien, c'était. Alors, le public cateau, quand on passait à voir là, c'était d'autant plus drôle que Pétain était une espèce de vieil grillard, puisqu'il se passait des films le soir.
Hein, enfin, mon père qui a été à l'état-major pendant la guerre, en 14, avait été très choqué de ça. Ben oui. Et puis, la vraie maréchale Pétain, la pauvre. Oui. Et tu sais, la bonne anecdote qu'on fait des détours, mais ce qu'on racontait, mon père me racontait, parce qu'il le savait. Mais à l'époque, c'était plutôt flatteur pour Pétain. C'est quand il était allé à l'enterrement du roi Alexandre VI. Qui avait été tué en même temps que Louis Barthoux à Marseille. Il y avait eu un grand défilé de tous les pays. Alors il y avait notamment le maréchal Göring. Et Göring, il est venu avec toutes ses médailles et tenant son bâton de maréchal à la main. Et Pétain était arrivé, il savait faire ça. En tenue très sobre, avec simplement sa médaille militaire. Et avait dit, pour ce que tu as à la main, pour le bâton, j'en ai un plus gros dans ma culotte. Alors, ce qui était très pittoresque, ce qu'il faisait, le plus favorable pour Pétain. Il était plus vieux. Mais en même temps, quand ce passe-là, ce type-là jouait le moraliste de Toet, bon, c'est évident. Alors, passons, là, on s'égare apparemment. Mais je veux dire, les utopies socialistes, j'ai pris des mots. Liberté, liberté chérie. Après, c'est fraternité. L'égalité, il n'y est pas, parce que l'égalité, je n'y ai jamais cru, moi. Je ne crois qu'à l'égal dignité. Je ne crois pas à l'égalité comme un concept en lui seul. La conspiration des égaux, je ne vois pas le jour où elle réussira. Parce que je cours moins vite que d'autres, plus que certains. L'égalité, ni physique, ni mentale, ni morale, ne me paraît. En revanche, l'égal dignité de tout être humain au départ, je sais ce que ça veut dire concrètement. Je sais ce qu'on peut bâtir à partir de ça. Alors, mon idée pour moi, c'est pour liberté, égalité, fraternité, c'est qu'il y ait derrière quelque chose d'opératoire. Un principe élevé. Celui qu'on grade, qu'on grave, etc. Je suis d'accord. C'était le truc d'Aragon pendant la guerre, il avait fait un beau truc. Pareil à ce jadis à qui l'on fit des temples, pareil à ceux de la guerre aux monuments inscrits, ceux qui, nourris de toi, sont morts à ton exemple, et n'ont rien regretté le jour qu'ils ont péri, puisqu'ils m'ont tombé sous la grêle des balles, préférant de mourir que vivre la patrie. Alors nous, les mots, c'était des mots superbes. Alors liberté, fraternité. Liberté que de crimes on commet en son nom. Mais bien sûr. Dans mon bouquin, je raconte comment les maquisards eux-mêmes sont poursuivis. Libération, il faut expliquer qu'on a. C'est pour ça que liberté chérie, la chérir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un chapitre que moi, je crois utile. C'est très modeste. Moi, j'ai été un très modeste résistant. J'ai créé une sizaine. Vous savez, une sizaine. Non, mais le problème, c'est que on était 30 jeunes gens du même ordre, du même âge, en gros, et on était très égaux socialement. À part un ou deux qui étaient fils des patrons du coin. En 40, tant qu'on a cru que la guerre continuait, on voulait aller à Bordeaux parce qu'on nous avait annoncé que Roosevelt a envoyé 80 000 fusils pour continuer la guerre. Alors là, on était une vingtaine qui voulaient partir en vélo pour aller nous battre. Puis on apprend que c'est une rigolade. Et on ne sait pas se battre. Un an plus tard, tout s'est installé, le cinéma retournait, etc. On faisait du théâtre. Et quand il faut passer la résistance de départ, qui est très modeste, qui est distribuée les journaux, jusqu'en 42, c'est ça. Sur les 30 avec qui on fait du théâtre, il faut constituer une sizaine, j'ai de la peine à trouver 5 autres garçons. À l'heure actuelle, quand ce livre est lu par des réunions de controverses dans mon village, 4500 habitants, c'est quand même pas. Qui est à mi-chemin de Lyon, capitale de la résistance, et Vichy, capitale de Vichy. Il y a des discussions très intéressantes. Il y a ceux qui disent qu'est-ce que j'aurais fait moi, mais qu'est-ce qu'a fait mon papa. Alors, il y a des gens, parce que je n'ai mis que les prénoms, pour ne pas offusquer certains. Alors j'ai dit, et puis les autres, j'ai dit, il n'a pas pu, et ce qui est vrai, il n'était pas disponible, etc. Mais c'est pas commode. Et j'essaye de faire, justement, le récit, c'est ce que ne voulait pas comprendre, plomb, quand il voulait revenir. L'anti-héroïsme, parce que je dis que ça n'a rien d'héroïque, d'avoir distribué les journaux, puis d'avoir constitué une sizaine, d'avoir modestement pris les armes, quand on est devenu fils, quand on a reçu les ordres. Bon, je trouve pas ça héroïque, c'est normal. Mais n'empêche que majoritairement, les gens n'ont pas fait. Je sais pas, quand on revoit les statistiques de la participation de la France à la Deuxième Guerre mondiale, il est vrai qu'on a eu bien eu de la chance
que De Gaulle soit un emmerdeur et qu'on acceptait, on est notre cible. C'est hérissant. Alors sur les FFL, vous savez, les trucs qui sont oubliés, 80 000 FFL, 18% de gens de métropole. L'immense majorité, c'est des troupes indigènes ou des pieds-noirs. Sur les résistants, on essaie de gonfler les chiffres, parlons pas des chiffres du PC, qui ont trafiqué 75 000 fusillés, il n'y a pas eu 30 000 morts, tout le cata. C'est ahurissant. J'ai dit ça parce que c'est vraiment le contraire que j'ai voulu faire. Je peux dire au niveau le plus concret. Rendre hommage au PC quand il est nécessaire, tout au long. Mais l'indignation contre l'imposture de la vérité. Mais les résistants, bon, à l'heure actuelle, on ne considère qu'à 200-250 000 personnes qui sont engagées, quoi, on peut dire. Et même avec les aides très larges, c'est 500 000. Ça dépend de la date. Il ne m'arrête pas, mais ça c'est vrai pour l'armée aussi. Comme disait De Gaulle, joindre quelle année, pour parler du mariage. Joindre quelle année. Non, je ne parle pas de ça. Non, mais c'est normal, parce qu'au début, moi-même, je vois très bien au début, mais nous, tu sais, on aurait pu basculer tout à fait de l'autre côté. Les premières affiches de la Révolution nationale, ce n'était pas du tout ce qu'on croit. Belin, du syndicat des fonctionnaires CGT, était ministre du travail. On n'imagine pas. Le directeur de la Légion française des combattants, pas la Légion des volontaires, mais c'était François Valentin, qui passera à Londres, qui sera accueilli par Jean-Pierre Bloch, qui était mon prédécesseur à la commission des droits de l'homme. Et quand Mendès France ne voulait pas accueillir Valentin, en disant, mais il était vichiste, Mendès France était comme ça, très étroit, très courageux, il faisait des vols de nuit, mais politiquement très étroit. En revanche, Bloch lui disait, mais pas du tout, l'avant-guerre, en plein Front populaire, des rares gars à droite qui étaient, oui, l'autre qui était député de Meurthe-et-Moselle, c'est les gens qui avaient conscience du péril, pas du tout, il faut au contraire l'accueillir, le faire parler à la radio. Alors, tout au long, on trouve ces hésitations. Et moi, j'ai essayé de faire des trucs, donc, de tout à fait ce qu'a vécu un être humain, un citoyen, qui a eu la chance d'avoir des accès, mais ce qu'un autre citoyen aurait pu vivre. Donc, l'anti-héros, si vous voulez, dans ce sens-là. Alors j'essaie d'expliquer, j'ai tout tracé pour expliquer les allées-entrées, parce que c'est déjà très bavard. Mais ça c'est important, parce qu'on ne comprend pas bien ce que j'ai voulu faire. Alors après, chaque utopie s'explique, parce qu'à un carrefour de ma vie, j'ai trouvé les problèmes. Ceux de la fraternité, ça sera l'international, hein, le syndicalisme de la fraternité. Après, ce sera la justice, bien sûr, ma conception d'avocat, la justice, où je me suis heurté au milieu, pareil. Etc, etc, jusqu'au bout. Du côté de l'état de droit, à la Proustien, et puis aux côtés des plus pauvres, c'est un télécarmon, ce qui pour moi est une expérience humaine, je ne pensais pas avoir dans ma vie. Donc c'est un tout. Voilà, pour essayer de comprendre ça. Alors, c'est effectivement des utopies, parce que chaque fois je pars en général à contre-courant, la plupart du temps, et ça marche quelque temps, bien en général. Ce que je dis, ce qui me reste de capacité fait que je réalise des choses, mais après, il y a la fin du dégrisement. Il y a toujours un moment où l'ivresse de la liberté fait un dégrisement. Mais les autres ivresses, la fraternité internationale, se terminera par le rideau de fer fratricide, etc., etc. Voilà l'esprit. Bon, alors on arrête, hein, pour l'esprit. Je ne sais pas m'arrêter quand je parle. Allez. Oui, on va vous montrer deux documents. Donc Marina présente. On écoute. Alors, oui, moi je pensais de diffuser deux, trois extraits du témoignage de Boucher, pas très long. Donc le premier, plutôt, qui concerne plutôt la période de l'Association Générale des étudiants de Lyon. Ensuite, plus l'UNEF, et puis un petit extrait sur l'UNEF. Il faut lire ou écouter ? Non, là, écoutez. Écoutez, écoutez. Lire, c'est impossible. Ah, d'accord. Et bon, je peux. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous verrez. Donc, c'est comme ça que j'ai été élu d'une justesse, première minorité au bureau. Les gestionnaires auraient voulu élire le type qui était sénateur par la suite.
Blanchet, qui était très honorable. Et donc c'est finalement lui qui a été... Ça ne marchait pas. Il a été élu, mais eux, ils n'avaient pas voté pour moi. La Belém, dans ma petite tel restaurant, ils n'avaient pas voté pour moi. Le restaurant de l'UGRF. Non, l'UGRF, c'était bon, ils ont disparu, je les ai retrouvés comme avocat plus tard. Mais il y avait, matériellement, il y avait un gars qui s'appelait Vermelet, un élève d'école centrale, qui était d'Orléans, qui était Monégas. Et lui, il n'avait pas condamné, il voulait Blanchet. Il connaissait bien Blanchet. Blanchet avait fait un bal du droit tout de suite, etc., en faisant dire Raymond Durand. Il avait été vice-président au fait. Alors, donc, il voulait ça. C'était le grand rêve, vice-président au fait. Alors, bon, on reconvoque le comité, j'ai fait un programme plus élaboré, et alors c'est là que la constitue commission des études syndicales. Je suis à voter. Et finalement, ils votent tous pour moi. Ça se change en quelques jours. Il faut dire qu'on fait un tas de coups. Très vite, on va démolir la cloison, on va occuper de force le reste du restaurant, on n'occupe pas le reste autour de la mairie. Alors moi, c'est l'esprit résistance, eux, ils n'auraient pas osé. Du coup, nous, on fait des coups, comme enlever le coup de Saint-Antoine. Puis le coup de la mairie. C'était une histoire avec les sessions d'Ario. Tout ça m'arrangeait. On avait des trucs, des coups. Il faut nourrir les étudiants. Donc, la réquisition des bordels. Ça a fait beaucoup de vouloir réquisitionner l'Auxerre de Lyon. Et ça, c'était une idée lyonnaise ou c'était une idée qui pourrait un peu partout mais... Non, ça tombe comme vous l'avez fait. Pas, en tout cas, nous, d'où à Lyon, c'était très très net. En plus, il y avait des trucs très drôles. Il y avait la rue du Pain, notamment. La rue du Pain qui était très bien avec des glaces. Non, en plus, c'était très dans l'esprit étudiant. Alors, on avait fait une chanson, tu sais, alors, avec beaucoup fait notre noir. Avec Cérute, Hupin, alors c'était la rue Saint-Hupin. Cérute, Hupin, convite heureux, alors convite heureux, c'était des convites heureux. Étudiant putain pour toujours, un couple de voir, oui, un joyeux, c'est sur l'air d'un opéra. Alors ça se chantait partout. Cérute, Hupin, convite heureux, soirée, matin, on sent que la qui fait mieux. Cérute, putain, heureux, étudiant putain pour toujours, un couple joyeux. Alors après, c'était. Alors, deuxième extrait un peu plus loin dans le temps, donc qui concerne plus la période nationale, UNEF, où Paul Boucher confie à la GE de Lyon la tâche de proposer au prochain congrès d'UNEF de nouveaux statuts. Comme ça, ça vous montre aussi un petit peu comment est-ce qu'on procède pour les résumés de témoignages oraux. Donc, le résumé à gauche et l'intégralité du témoignage en écoute à côté. Et sur le plan national, alors donc. Outre que je remplace Villieu à Prague, au comité préparatoire, je fais confier à l'AG de Lyon la tâche de proposer au prochain congrès de l'UNEF. D'accord, oui. De nouveaux statuts de rénovation. Oui, c'est le même conseil d'administration que, oui. Qui est acté à la commission d'études syndicales. Je crois que c'est le même. En tout cas, c'est la même pensée. C'est là que ça part. Lyon se fait donner un rôle à part. Lyon regroupe l'esprit résistant. Il y a quelques types ailleurs. Hein, qui sont... Et nous, on s'institue les héritiers de cet esprit-là. Il y a déjà intermédiaire d'Axe. Alors, on a un cran de plus. On a une mission. Commission d'études syndicales, je nomme Miguel président de la commission. J'en suis membre, il y a Bergeret, il y a les résistances communistes, il y a Annie Bouillère, président de l'Ain, on regroupe tout le monde. Donc les points du GRF se dépassent chez nous, parce que chez nous tout le monde est d'accord. Là j'ai reconnu comme par tous les groupes, les cathos, les protestants, les communistes, tout le monde accepte de donner ce rôle syndical de l'AG. Et on fonce, donc très vite, puisque dès avril 1946, quelques mois, ça se fait très vite. Ça. Et il n'y a pas un autre temps
un grand congrès de Grenoble où il y a un premier projet de la Charte de Grenoble qui est proposé. Pas ma connaissance. C'est vraiment au congrès que le projet est présenté. Ah oui, mais nous on travaille très vite, hein, tu sais, encore une fois, dans quelques mois, ça s'est fait quelques semaines. J'avais été dans tout petit bureau, là, j'avais un tout petit bureau à la ville. On se réunissait assez très vite parce que j'ai donné la formule qui vient juste dans les intellectuels. Et tout le reste, alors Miguel avait fait tout le reste, on a tort de tu sais, tous les trucs de l'analyse, une non-analyse. Alors moi, j'avais matin, je faisais autre chose. J'avais donné ça, tout le monde a accepté tout de suite, la formule, ça plaisait à tout le monde, ça. La formule a été ratifiée tout de suite. Et après, ils ont travaillé comme ça, mais ça s'est fait très vite. Dernier extrait qui concerne la sécurité sociale et la mutualité étudiante. Donc là, le témoignage n'est pas en ligne, hein, parce qu'il va suivre quelques modifications. Mais moi, j'y ai accès, comme il va se présenter en ligne, moi j'y ai accès sur une interface sécurisée, quoi, avec un code, mais là, il n'est pas accessible. Mais ça va se présenter. Ça ne saurait tarder, puisque justement, Marina et Paul sont en train de retravailler. Quelle est la date exacte de ce projet ? La date. La période qui est évoquée dans l'extrait. Oui. Là, on est en 46. 46, oui, oui, j'en fais 46. Ouais. C'est quoi ? C'est le 54, là. Oui, c'est avant. Le congrès, c'est avril 46, voilà. L'opération d'Agé des Grenoble. Oui. Moi, c'est en décembre 45 que je vis le milieu de la représentation internationale. Après, j'ai fait une sélection. Coup d'état, si tu veux. Des extraits plus longs. Et c'est une invitation à les écouter plus tard. Et donc, pour toi, là, c'est vraiment la suite logique de la charte de Grenoble. Ah, bien sûr. On a fait la charte, maintenant, il faut qu'on ait la sécurité sociale étudiante. Et du coup, comment les deux années s'expliquent, alors, entre 46 et 48, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous avez dû attendre 2 ans pour mettre en route cette mutuelle entre la charte de Grenoble et... C'est constitué, toute pièce. La première section, c'était à Lyon. Première section, moi, je l'ai faite en jumelant à la rentrée la carte de l'AG et la carte de l'AMF. Et ça, c'est dès la rentrée 46. Ah non, pas 46, ça doit être 47, je pense. D'accord. Faut vérifier. Mais... Oui, oui. Ah, oui, 47. Non, je pense 46, je crois. Faut vérifier. On a fait. Non. Et puis on a commencé à en parler. Oui, et donc en fait, c'est un peu à partir de l'exemple lyonnais qu'après. Oui, ça, l'exemple lyonnais, a pu dire aux parlementaires. Culon, c'était comme nous, on avait un culot fort. Il racontait, puis c'est là qu'il y a eu la mère de Vauve, il y a eu des gens. Ont été des complices, plus ou moins volontaires, les types. Ils acceptaient. À partir du moment où des gens comme Mme Deveau, qui n'était pas de gauche, c'était de l'inverse, bon, qui aimait bien les étudiants, comme on dit. Mais en même temps, la sécurité sociale, ce n'était pas leur tradition. Donc, le fait qu'on veuille être à la sécurité sociale, ils voyaient bien les étudiants cracher leur coupon, le truc, ben là, il fallait bien qu'il y ait un régime social. Bon. Mais en même temps, ils ne voulaient pas que les étudiants soient prolétarisés au sens. Donc ça leur plaisait plutôt que les étudiants aient un régime à eux, dans cette partie de l'opinion. Donc c'était une solution qui plaisait, politiquement. Ça pouvait là aussi amalgamer une différente personne. Bien sûr, c'était ça, c'est que ça simplifiait. C'était Jean-Philippe Le Goy qui faisait l'entretien. Avec Cécile Huchard. Voilà, avec Cécile Lachaud. Il y a 2 ans. Ouais. Et maintenant, je vais vous montrer le petit. Attends, tu me passes le. Ah, puis. Je passe la commande. Donc, c'est. Ça marchait tout à l'heure, j'espère que ça va aller. Donc, c'est novembre 1946. Non, c'est ça, mais c'est ça. Je suis content de voir ça. Oui. Je crois que ça existait. Non, bah écoute, je l'ai cherché longtemps et j'ai fini par le trouver. Alors. Tu m'expliqueras comment. Écoute, pour l'instant.
instant, c'est entre nous. Enfin, je vais mettre un peu plus loin parce que Non, il arrive, attendez, mais ça c'est moi, là ça bouge, la caméra dans la salle bouge, et là ça va être... Voilà. Je l'ai appris deux fois. Qu'est-ce que c'est le bâtiment? C'est le congrès de 46. C'est Tom, ça? Tom. Ouais, c'est Tom. Tom Adèle. Gromane à gauche. Gromane, oui. Dans quel bâtiment? Le Prague. Non, mais le bâtiment, c'est quoi dans le Prague? C'est le Prague. Voilà, là, on y va. La vérité a vaincu, c'était un truc que j'avais promis de dire, parce que ça se dit en tchèque, Pravda Vitezi. Oui, oui. Et c'était le problème de jouer sur la Pravda. Oui, c'était, oui. C'était le thème, car on avait proposé déjà, comme il est préparatoire, la charte de Grenoble. Et très, très fraternellement d'ailleurs, on avait discuté la charte de Grenoble, ils avaient appris beaucoup de choses, hein, dans l'esprit, parce qu'on était la seule délégation à porter un texte, même sur le pentagone, d'orientation. Mais il y avait, ça accrochait, notamment avec les Rouskov, sur les majuscules de vérité et liberté, qui étaient jugées, évidemment, idéalistes. On discutait. Alors, c'était d'ailleurs le même truc qu'on avait eu à l'intérieur de la France, pour la révolution économique et sociale au service de l'homme, avec grand H, où, je vous dirai tout à l'heure, si on a le temps, comment l'UJRF et autres, y compris local, les différenciations que l'on voulait faire avec l'UNEF, avec l'AG. C'était métaphysique, c'est le cas de le dire. C'est très intéressant. Alors effectivement, l'histoire de la Pravda, qui veut dire la vérité, j'allais dire, mais je vais le dire, mais Pravda vitezi, la vérité vaincra. Et le mensonge perdra, c'était ça. Alors on avait placé liberté, égalité, fraternité, on avait fait un truc qui était honnêtement qui tenait la route, parce que beaucoup de discours étaient très creux. Très creux. Il y avait quelques beaux discours, les Tomovic sur la Yougoslavie, enfin, les trucs qui étaient bouleversants. La décolonisation n'était pas faite, alors ils ne parlaient pas tous avec le même statut, donc il y a des gens qui n'ont pas parlé ce jour-là. Et les trucs introductifs, certains étaient déjà devenus des officiels. C'était ça, des étudiants prolongés du fait de la guerre. Donc il y avait une parole qui déjà n'était plus la parole immédiate de ceux qui vivaient la condition étudiante. C'est pour ça que c'est très difficile à expliquer sans détail. Oui. Et tu me diras, moi j'aimerais bien qu'on situe justement ce moment de Prague dans ce qu'on avait en partant de Lyon, donc la première AG, on part, et dans mon AG à moi, qui avait obtenu donc de faire la charte, et qui avait obtenu que son président remplace le président du NEF, c'était
président du NEF avait été démis, c'est jamais arrivé à l'histoire du NEF. L'état d'esprit. Alors nous, il faut savoir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je voudrais qu'on fasse apparaître, peut-être, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou pas, mais le climat général d'abord, qui n'était pas propre à Lyon, qui explique que derrière le mot résistance, qui était déjà l'objet d'un tas d'abus, le résistantialisme, c'est pour ça que nous-mêmes on parlait des RMS, des résistants du mois de septembre. Plus résistant que moi, tu meurs, c'était une course au verbiage après la libération, etc. Le verbiage. Alors on avait essayé, donc le petit groupe, très clair, de faire le texte de la charte, c'est pour ça que j'aimerais qu'on le commande de temps en temps. Les mots étaient mûris, pesés. Il y a une architecture dans le préambule. Fidèle, conscient d'eux, fidèle à. Alors on se moquait de nous-mêmes après, parce qu'on disait, dans les grandes occasions, on va faire une motion conscient d'eux, fidèle à. Alors conscient d'eux, c'est conscient de la valeur historique de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez compris. Et qui nous relie justement au mouvement général, essentiellement, de la CNR, de la Commission nationale de la résistance, qu'on connaissait à peine. Moi, je n'ai jamais eu de texte à l'époque, je veux dire, tout le premier. Il avait été imprimé dans la collectivité, simplement, en mars 1944, je me souviens. Oui, oui. Alors, moi, j'ai l'édition actuelle, La Des Jours Heureux, qui est une édition moderne. Alors, je crois que Miguel, lui, en avait une. Mais il y a le parallélisme, il y a des mots qu'on ne comprend pas qui sont repris parce qu'on voulait se tenir au plus près tout en ayant la spécificité étudiante. Et ce qu'on a répété. Et face au verbiage montant des prétendus résistants, ou, c'était pas parce qu'on se le dirait plus pur, mais on voulait, il y avait un héritage. Alors après, pour voir ce qui était autour de nous, quand on a présenté jeune étudiant, jeune travailleur intellectuel, ça c'est bon, c'est la forme. Au sein du groupe de la Gélionnaise, aucun problème. Tout le monde, il y avait deux communistes, les autres les chrétiens, les héritiers de la tradition laïque, tout le monde était là, tout le monde acceptait. On s'est mis d'accord assez vite sur les droits de voir, etc. Le préambule était fait, plus par contre. Alors on l'a fait circuler autour. Alors c'est très intéressant parce que, à travers les positions historiques d'après coup, j'ai fait rédiger, en publiant pour la première fois donc, en 1946, la charte. En même temps, j'ai demandé leur jugement, essentiellement aux deux mouvements principaux, qui étaient les chrétiens, c'était très fort, Gilbert Dru, il faut dire à qui était dédié, vous savez, la rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, le poète d'Aragon, était dédié à Guy Moquet et à Gilbert Dru. Gilbert Dru était un dirigeant de l'AG de Lyon. Donc, le cadavre avait été laissé en pleine place Bellecour, pendant des heures, avec celui d'un chef de l'armée secrète, Chambonnet, et d'un jeune ouvrier chrétien, Francis Chirin. Les deux martyrs, les deux jeunes, un ouvrier et un étudiant, qui s'encoulent ensemble sur le pavé. C'était un symbole extrêmement fantastique. Alors, j'avais demandé aux chrétiens. On m'envoie un secrétaire fédéral de la GEP, vous allez voir que la piété remplace vite la. Et puis, je demande pour l'UGRF, au secrétaire étudiant du GRF, de la Fédération du Rhône. Alors, je vous cite quelques extraits. Hein. Alors, par exemple, les étudiants chrétiens, ils ont redécouvert la morale. Alors, le truc ne gêne pas tellement. Chrétiens, nous venons vivre la parole de notre maître. Aller enseigner toutes les nations, c'est très bien ce qu'on allait faire à Prague. Bon. Annoncer à tous la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parfait, parfait. On voit alors après avoir un grand pathos moraliste, on voit alors quelle est la raison d'être de l'action des chrétiens, majuscule, dans l'université. Je la définirais volontiers en quelques mots, ni impérialiste, vous allez voir que les nini, ça date de longtemps, ni impérialiste, ni ghetto chrétien, mais volonté loyale de servir le bien commun. Oui, ben effectivement, c'est parfait. Qui dit moins, qui dit plus, quoi. Mmh. Es-tu un texte, ni goto-chrétien, mais volonté loyale, on dévient nos mouvements, nos groupes, etc. Et sur le fond des choses, aucune critique de la charte. Et pour le reste, un accord, ça se termine,
je reconnais, voilà. Je pense avoir satisfait ce que sympathique annuaire attendait de moi, et montre assez clairement pourquoi elle commande la présence des chrétiens dans la communauté étudiante. Qu'on permette en terminant de remercier les initiateurs de cet annuaire, d'avoir eu l'idée de demander à leurs frères croyants de définir publiquement leur attitude. Je crois que nous formons tous en parfaite sincérité, ça coule à leur blabage. Je reconnais ces pages un peu mal qui, je le reconnais, un peu austères, permettront d'éviter un malentendu possible. Je m'estimerai heureux si elles permettent dans notre université de Lyon une plus grande amitié et une plus grande compréhension entre nous. Alors quand on m'explique, moi, que le courant jésuite était principal à l'AG de Lyon, ça me fait rire. J'étais très bien, c'est très bien. Mais c'était pas ça. Mais le courant chrétien était représenté des gens comme moi, mais c'était le courant de témoignage chrétien, qui était Miguel, dont un frère tué au maquis, etc., qui étaient les gens qui avaient failli faire des milices chrétiennes, publiquement, face aux milices patriotiques communistes. Parce que sinon, on aurait vécu la situation du Liban. Hein. Nous, ça n'a rien à voir. C'était pas un climat moraliste. C'était effectivement, on veut changer, on veut un programme. Alors, on était programme CNR. Alors, pour ce qui concerne l'UGRF, pas mal, pas piqué d'un ton non plus. Alors, lui, il avait trouvé, pour se différencier de jeunes étudiants, c'était la reconstruction de l'esphère au pas de charge, ça c'était très bien, la main de courage. Alors, le matérialisme méthodologique ou le matérialisme expérimental a été l'origine du développement de la physique. Un grand couplet. Il faut souligner que Karl Marx était le premier l'idée d'appliquer la méthode matérialiste. Tout ça pour la charte à partir à Prague, hein, pour donner les commentaires. Tandis que la méthode matérialiste scientifique et dialectique historique s'étend progressivement sur toutes les branches du savoir humain, les différentes formes d'idéalisme, en particulier le spiritualisme catholique, alors ça c'était contre l'autre qui est venu, et en particulier le spiritualisme catholique, et si puissamment enracinés dans notre tradition nationale, survivent et exercent une emprise sur beaucoup d'étudiants. On comprend que malaise intérieur résulte de cette scission de l'être entre un idéalisme théorique et un matérialisme pratique à plein développement. Pendant ce temps, nous, on nourrissait 2000 gars au fourneau. Seuls ceux qui acceptent intégralement et exclusivement les principes du matérialisme dialectique retrouvent leur unité intérieure, leur cohérence, leur équilibre et leur santé. Il n'y a pas besoin de la Fondation Santé. Il y avait une solution matérialiste. Mais il faut quand même revoir ça. Et à l'époque où, encore une fois, les gens crachaient leurs poumons. Alors, notre raison d'être est de faire prendre conscience aux étudiants de leurs droits et de leurs devoirs. Ben, tu vas voir. La correction de la charte. En tant que républicain, en tant que français et en tant qu'homme. C'est pas inutile de redire tout ça, tu sais. Parce que l'idéaliste, je ne sais pas où il était, moi. Mais je trouve que ça, c'est de l'idéalisme. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est. Oui, le texte qui précède la charte est très long, mais très intéressant, d'ailleurs. Ah ben lui, il n'est pas pareil. C'est conscient de la valeur historique de l'époque, peut-être la charte, il faut le reprendre, il est extrêmement précis. Oui, oui, oui. Oui, ben il est là, mais je suis là pour ne pas l'abîmer. Les représentants d'étudiants français légalement réunis à Grenoble, conscients de la valeur historique de l'époque, où l'Union française, puisqu'il y avait accord sur l'Union française, hein, PC y compris, tout le monde, élabore la nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec une majuscule à citoyen, où s'édifie le statut pacifique de nation, c'était en pleine élaboration. Hein. Les résultats, on les voit, oui. Oui, non, mais justement, mais tu les vois dans les deux sens. Où le monde du travail et de la jeunesse, la fameuse phrase, dégage les bases d'une révolution économique et sociale au service de l'homme, majuscule, affirme leur volonté de participer à l'effort unanime de reconstruction, il s'agit de travailler, reconstruction, fidèle au but traditionnel, fidèle à l'exemple des meilleurs d'entre eux morts dans la lutte du peuple français pour sa liberté, constatant le caractère périmé des institutions qui les régissent, déclare vouloir se placer, comme ils l'ont fait si souvent, au cœur de notre histoire, à nouveau de l'histoire, à l'avant-garde de la jeunesse française, en définissant librement comme base de leurs tâches et de leurs revendications les principes suivants, l'étudiant de jeunes travailleurs intellectuels. Alors l'histoire de l'histoire, moi ça me passionne beaucoup, parce que j'ai regardé presque tous ceux, la discussion, je me souviens bien de ça, il y avait une référence à l'histoire qui me paraît beaucoup plus rare dans ce que j'entends des réunions générales.
des mouvements qui ont suivi. Je lis ton bouquin, par exemple, sur l'époque 68, où la référence à l'histoire n'est pas du tout comme c'était nous. Et pour moi, je suis très frappé de voir ce que vous savez, vous, bien sûr, un historien. Jean Moulin était, vous le savez, un fils d'un prof d'histoire. Celui qui le remplace, Georges Bidault, premier à l'agrégation d'histoire. Devant qui ? Devant Pierre Brossolette, deuxième à l'agrégation d'histoire. Je peux continuer la liste. Il y en a énormément dans mon pays. Dans mon pays, on est frappé. Et moi, le type qui me parle, que je raconte, en 40, quand on quitte Saint-Étienne, parce qu'on ne peut pas passer notre bac, parce qu'on est mitraillé de partout et qu'il faut repartir dans la nature avec Pierre Boulez, on rentre là pour... C'est le prof d'histoire du collège, qui est un curé, qui nous dit « Le pire peut maintenant arriver, et souvenez-vous de ceci, ne vous soumettez jamais. » La leçon de l'histoire, oui, ne vous soumettez jamais. Et la conscience historique, je veux dire, est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on reparle de culture plus tard. Des grands thèmes à la minute, quelle culture, il y a l'instruction, il y a la formation professionnelle, il y a la culture. La culture laquelle? Alors moi, je suis très intéressé qu'on retourne de temps en temps à la charte du CNR. Parce que certains disent, justement, on est en train de la démolir, oui. Alors ça, c'est l'exemplaire d'origine. Avec l'avant-propos, une jeunesse austère ferait désespérer du monde. Non, c'est plus loin, non? C'est le directeur. C'est temps que ça... On va le photocopier, on va se débrouiller. Ah bah non, c'est pas bien pour mais pour dire, alors sur cette histoire de, du rapport à la, au Conseil national, au programme du Conseil national, Miguel avait, il y a quand même des mots qui doivent être mis en parallèle, quoi. Parce que il y a notamment, j'y pense parce qu'au Congrès, on va entendre, il va y avoir les ritournelles. Le programme du CNR, encore une fois, fait avant la libération, mars 44. C'est quand les types tombent, les réseaux tombent comme des mouches. Moulin, non, a déjà été arrêté, torturé. Les autres, les types boivent mal leur pastille, il faut voir la liste. Il y a un programme d'action immédiate, c'est l'insurrection, il faut se battre. Dès qu'il y aura un débarquement qu'on attend encore, il faudra arrêter à tout prix, etc. Il y a des origines très précises que je raconte. J'en mets 20 ans, on part en moto, là, pour essayer d'arrêter les Allemands qui rentrent avec des pétoirs. Mais il y a ensuite le programme. Alors le programme, je trouve ça intéressant. Mesures à appliquer à la libération du territoire. Alors on rappelle toute tendance politique, groupement ou parti confondu, l'obligation de l'unité, unie quant au but à atteindre, unie quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but, qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou standards politiques groupés au sein du CNR proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération. Comme toujours, toutes des promesses. Alors, le problème, c'est qu'on reconnaît le gouvernement provisoire. On reconnaît définitivement De Gaulle. La cellule communiste chez nous affiche un seul chef De Gaulle, une seule lutte pour nos libertés. Nous, on affiche, j'ai de ma main, parce qu'on a un local des équipes chrétiennes, les hommes de bonne volonté. De ma main, 46. Nous avons été unis dans la lutte, je pense que nous devons rester unis dans la victoire et la reconstruction. Georges Bidault, alors c'était Bidault. Qui divise, trahit, c'était le préfet communiste qui venait prendre le truc. Des hommes propres et neufs, les 36 partis d'avant-guerre qui nous ont conduits si allègrement à la défaite et à Vichy sans la mettre au grenier, ces combats, c'est Camus, qui a comme épisode de la résistance à la révolution. Les politiciens doivent disparaître pour faire place aux constructeurs, ça c'est la tendance de la maçonnique, c'est Jean-Luc. Nous tous, on se cite les uns les autres pour dire on ne va pas se désunir. Par ailleurs, en même temps, le premier truc de témoignage chrétien, la libération est là, le jour même. Peuple, te voilà libre. Adieu à deux martyrs. C'est le truc national. Les deux martyrs, c'est Gilbert Dru et Francis Chirac. Et l'accent est mis, travailleur, c'est votre victoire.
travailleurs, c'est votre histoire. Donc la révolution économique et sociale au service de l'homme, je suis navré, c'est pas un air de flûte à l'époque. C'est pas un air de flûte. Et là, quand tu prends les mesures, tu compares à la charte, il y a des choses que tu comprends. Dans l'ordre économique, dans l'ordre économique, je prends le point 5.5a. Afin de promouvoir les réformes indispensables, donc les principes directeurs. Petit a, sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale. Les mots mêmes. On les reproduit, nous, la révolution économique. Alors nous, on prend révolution, parce que démocratie, on n'aime pas tellement. Alors, c'est pas de révolutionnarisme. La démocratie, pour nous, elle rappelle trop l'avant-guerre. Et on veut un changement. Alors, le texte de la charte, le dictionnaire le dit aussi. Mais nous, comme on reprend par un terme, on ne dit pas que la jeunesse, etc. Alors ça, c'est sur le terrain social, donc c'est extrêmement clair. Et sur le terrain économique, c'est une révolution économique et sociale. Le petit b sur le plan social, le droit au travail et au repos, vous les trouvez dans la charte. Qui pour des étudiants est un peu curieux, le droit à travailler au repos. Ce n'est pas le langage des faluchards d'avant-guerre. Il vient directement du point petit b de la économique et sociale. Le syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs à l'organisation syndicale et sociale, un plan complet de sécurité sociale. Puisqu'avant, il y a des morceaux, il y a depuis longtemps, les allocations familiales, les assurances. Visant à assurer à tous les citoyens, il y a des mots citoyens aussi, très intéressants, la charte, des moyens d'existence. Dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, alors le travail a repris sa force, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État, les représentants des intéressés. Et on s'appuiera, nous, sur la loi Maurice, quand les fonctionnaires s'en serviront, pour avoir la fameuse NEF, qui est une application. Alors après, il y a le culturel. Alors sur le culturel, il y a le petit dé, il n'y a pas eu du NEF. Les syndicats étaient présents à la rédaction de la charte, de tout le côté. Ouvriers, la grève, tout ça, ça y est. L'absence de l'UNEF, qu'est-ce qui se dit? L'absence des étudiants, tout simplement. Point B. Je parle de, à nouveau de la charte du CNR. La possibilité effective pour tous les enfants français, de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture. Alors là, la culture. La plus développée. Il y a eu peuple et culture pendant la guerre. Quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, ça c'est très clair. La route pour la démocratisation, elle précède. Afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit alors promue, elle soit ainsi promue, une élite véritable, on ne craint pas l'élitisme. Une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, est constamment renouvelée par les apports populaires. Ça, c'était le texte initial arbitré, qui a été arbitré longuement, parce que la sœur du CNR, quand on connaît maintenant l'histoire, elle commence en mars 1944, et toutes les histoires qui se passent, l'arrestation de Jean Moulin, c'est Jean Moulin au départ. Il est arrêté un mois plus tard. Ça continue avec Bidot, et ça discute les termes. Ces parties-là sont discutées jusqu'à la veille de la libération. Presque la vie de la libération. Ce qui paraît, là, il y a, paraît-il, des petites vérifications, il faut les regarder. Bon. En tout cas, la publication, c'est mars. Mais, je veux dire, c'est intéressant de voir, y compris le rapport, les mots sur l'élite, la culture, les fonctions les plus hautes à occuper. Et c'est vrai, quand on parle d'un nous, on parle de démocratisation, sans revalorisation correspondante, d'argent du net. Pas de revalorisation sans démocratisation. Mais on ajoutait... Pas de démocratisation sans valorisation. C'est vraiment l'héritier de l'esprit, de cet esprit-là. Et la culture populaire, tu vois, c'est on veut une élite populaire. Qu'est-ce que c'est que tu as là? Non, là, c'est... Ah, oui. C'est pas avec tu ça. Tu pollues ton... Ah, ben non, mais... D'accord. Mais ça, c'est quand même la Troisième République. L'idéal de l'éducation de tout le peuple, des habités devant l'école... L'instruction. L'instruction, oui. La mot culture, non. La mot culture n'existait pas. Après, malgré les conceptions de la culture. Mais
par rapport au mouvement étudiant, c'est très clair que le mouvement démocratisation-valorisation est dans cet esprit-là. C'est que on demande, on donne comme devoir à l'étudiant d'acquérir les meilleures compétences techniques. On donne comme devoir à l'étudiant. C'est pas un devoir purement individuel. Il est un citoyen, il peut être un salarié, en tout cas il va être payé, mais s'il l'est, il est évident qu'il a un devoir de compétences techniques le plus élevé possible. On n'a pas entendu beaucoup après. Je revois mes archives, on va les voir ensemble. On a monté techniquement l'allocation d'études, tout ça. On a bien dit qu'il y a des critères uniquement universitaires, etc. Mais l'idée que l'étudiant a un devoir clair de la plus haute compétence technique, parce qu'on heurte, de front à ce moment-là, à l'intérieur de la réforme de l'enseignement, des demandes corporatives de certains syndicats d'enseignants. Pas l'oublier. Il y a eu ça dans l'âge 20 valeur, dans les suites de l'âge 20 valeur. Les querelles corporatives et par branche de discipline. Ben je ne crois pas qu'elle va tellement loin de l'idéal du 10 ans, il ne prononçait pas le mot culture, mais toute la Troisième République, enfin l'intérieur glorieuse, c'est-à-dire la fin du 19e, ça consiste justement à faire monter des couches nouvelles dans les Gambetta. Et le nombre de gens, justement, quand on voit un peu l'histoire du Nef, et qu'on cherche les copains, etc. Bon, mon grand-père était gendarme dans un trou des Vosges, etc. Enfin, c'est vraiment l'époque, la République est vraiment l'époque où... Ah bah, bien sûr. Ferry n'était pas un vite, c'est sûr. Mais je veux dire, le changement de taille... Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, sur l'esprit des bons, Alain, s'excuse, mais... T'as beaucoup de choses à dire, mais c'est parti. Il me laisse un document là, du MLN, donc, du Front de Libération Nationale, de mars 45. Oui. Donc les jeunes de la Libération Nationale, jeunes du MLN affiliés au FUJP, continuent la bataille. C'est pourquoi nous exigeons la libération de la jeunesse, étudiante, étudiants. Hein, nous exigeons un salaire pour la jeunesse étudiante, au service de la nation. Donc, ça c'est mars 45. Oui. Il y a la GEC avec René Raymond mène campagne pour le salaire étudiant. Et donc on trouve, et ça c'était Varin qui trouve ça dans, chez les étudiants communistes dès fin 44 sur, pareil, la revendication d'une rémunération d'un salaire étudiant. C'était la formule pour ceux qui en ont besoin. Mais non, ça c'est celle du PC. Non, attends, ça c'est après, c'est-à-dire qu'il faut dater, quand on prend les... Il faut effectivement contextualiser, y compris à cette époque, mois par mois, le, bon, comme on l'a dit hier, le moment où il y a les prises de position. Et là, je veux dire que là, c'est là qu'il faut vraiment remettre toutes les données ensemble. Il y a 100 000 étudiants, à peine. Oui, oui. On passera à 120 000, il y a... Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Mais très, très franchement, même budgétairement parlant. Oui. En même temps, quand on regarde ce qu'ils disaient tous, ils ne les donnaient pas à tous les étudiants, c'est pas vrai. Jamais ils l'ont pensé. Jamais ils l'ont pensé, la GEC, c'est pas vrai du tout. On sélectionnait les étudiants à certains niveaux, où c'était relativement facile, par exemple en médecine. Pour les externes et les internes avaient déjà des indemnités. On voulait faire passer par là, et c'était pas idiot d'ailleurs. On voulait faire passer par là l'idée. Et c'est vrai. Ce qui était en route, c'était que l'idée est forte que les étudiants qui travaillaient bien, c'est aux examens en gros, ne devaient pas être à la charge de leur famille. Et que, quand même, on l'appelait salaire. Alors c'est là qu'au contraire, avec la libération, paradoxalement, tu as le mouvement inverse. Quand la sécurité sociale se met en place, il y a la réaction des classes moyennes, qui sont encore les parents d'étudiants majoritaires. Quand tu dis la Troisième République, mais il n'y a pas 10% d'ouvriers. D'ouvriers. Oui, non, mais c'est la troisième génération. Hein, oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais la réaction, pour comprendre que les variations des mots, y compris chez les jeunes, c'est qu'à ce moment-là, les parents, je vois, quand on parle de sécurité sociale pour les étudiants, on a le reflux, parce que les gens ne veulent pas être à la sécurité sociale générale. Il y a manifestation à Lyon, par exemple, des avocats. Le bâtonnier va monter sur une caisse à savon, comme je dis, sur la place Bellecour, aux côtés du syndicat des épiciers, parce que les professions libérales, comme beaucoup de petits artisans, ne veulent pas dépendre d'un régime fait pour les salariés. Pour eux, c'est les salariés. Donc, c'est là
que le plan général de sécurité sociale est une nouveauté tout à fait par rapport à l'avant-guerre, et que quand on ne commence pas par le pré-salaire. L'entrée dans la révolution économique et sociale, pour nous, c'est la sécurité sociale, qui passera de justesse. Mais là, il faut refaire tout le chemin psychologique, parce qu'on nous dit, dans les professions libérales, par exemple, le droit, mais nous, on ne veut pas être salarié. On ne veut pas être salarié. Donc on ne veut pas être pré-salarié. Alors le salaire, il ne se comptait pas, personne ne voulait. Ça, il n'y a pas, c'est pas vrai qu'à la libération, il n'y a pas un groupe, FUJP, tout ce qu'on voulait. Ça, c'est 44, c'est sous l'occupation. 45. Oui, mais c'est pas la libération. Non, non, c'est si la libération, c'est pas la fin de la guerre. Oui, c'est pas la fin de la guerre. Alors, puis il faut voir qui il y a derrière, parce que les murs, ils étaient regroupés dans les murs, déjà. Permanence d'étudiants MLM. Ça, c'est la retape pour... Ce que je veux dire, c'est que on a vu l'inflexion quand l'idée de pré-salaire a été acceptée, en gros, enfin, partout, le syndicalisme, etc., c'est que les communistes aient un salaire pour ceux qui en ont besoin. Parce que ceux qui ne pensent pas bien, on découvrira qu'ils n'en ont pas besoin. Ah. C'est comme ça, on sent le truc venir. Ça, c'est complètement vrai. Il y a un autre problème. À mon avis, à l'époque où je milite dans la GP de l'UNEF, il semble, grosso modo, que le terme allocation d'études soit en train de se substituer après salaire, et le sentiment que j'avais dès cette époque, hein, c'est que il y avait une coupure de type corporatif à l'intérieur même du mouvement étudiant, parce que il y a des études supérieures qui te prédestinent automatiquement à une profession. Des études de médecine et d'autres études qui sont beaucoup plus générales, comme les études de lettres, par exemple. Et la coupure, elle passait par là. Et je vois d'ailleurs, je me souviens de toutes les réunions Minot et compagnie, où il y avait ça revenait parfois dans le débat général, alors que ce n'était pas du tout d'actualité. On était en train de parler d'autre chose, et d'un seul coup, avec votre pré-salaire ou avec votre allocation d'études, allez-vous pour tout, et pour tenter d'avoir une meilleure motion aux yeux des uns ou des autres. C'est-à-dire qu'au bout de ça, il y a une vraie question, c'est que, effectivement, si on te donne, que ce soit allocation d'études ou pré-salaire, n'importe mot. Si on te donne quelque chose en face, c'est comme le contrat de travail, il faut qu'il y ait quelque chose en face. Et pour certaines études, où la présence à l'université peut être simplement pour acquérir un savoir, je ne dis pas d'agrément, mais un savoir académique général. Tu peux vouloir apprendre le grec sans être professeur de grec. C'est intéressant. C'est même assez rare. Mais au bout, surtout quand tu vois monter le nombre d'étudiants, il est évident qu'on te dira, on va aller, c'est le problème de la médecine, vers le numerus clausus, on va financer tant de gens, parce que là, effectivement, il y a un service qui n'est pas rendu. Quel cas à l'heure actuelle, où on manque de médecins dans certaines périodes de France. Tu n'auras aucune difficulté là à dire, on va donner une allocation d'études, que tu appelles pré-salaire ou pas. En revanche, effectivement, des gens qui font des études de... J'ai un esprit d'érudition, un esprit de ce que j'appelle le savoir académique. Il faut qu'il y ait le droit. La liberté d'accès à l'université n'est pas en cause. Mais est-ce que effectivement le salaire peut être justifié quand tu arrives à des budgets qui effectivement sont explosifs? Plus tu démocratises, tu vas passer à 3 millions, 3 millions, il est évident que tu aurais une vraie réponse budgétaire impossible. C'est pas douteux. Ce que je souhaiterais entendre au Congrès, on va voir, c'est qu'on introduise une donnée nouvelle que nous maîtrisons tous mal. Ma femme essaye de faire ça au Collège de France à son cours, mais on n'y est pas encore. Et c'est ce qu'on appelle le savoir académique, au sens académie, l'université, hein, c'est pas péjoratif. Les savoirs dispensés par l'institution universitaire. Savoir académique, il est certain qu'il faut qu'il soit accessible à quiconque. Mais ce n'est pas parce que tu y vas par agrément qu'effectivement,
l'ensemble des contribuables est tenu de te le financer. Or, maintenant, il y a d'autres voies pour arriver à ces savoirs, on va dire d'agrément, mais ce n'est pas le vrai mot, les savoirs pour... Gratuit, voilà. Oui, voilà, si tu veux, pour l'enrichissement personnel, ce qui n'est pas rien, et qui est une exigence qu'on doit tendre à la culture, derrière nos cultures, ça se demande. Là, l'accès au savoir à l'heure actuelle, avec les nouveaux moyens techniques, il est considérable. Google, passant par ce qui est en train de se faire, bon, il y a le procès, tu vas avoir des bibliothèques entières, tu vas avoir accès direct. Les meilleurs profs commencent leur cours en faisant, en consultant ce qui existe sur les trucs. Ils font leurs bouquins en copiant. Oui, mais bien sûr, tu vas avoir un accès, le problème de l'accès au savoir qui ne sera plus, qui passera plus uniquement par le canal académique, repose le problème du financement du temps. Est-ce qu'il sera si différent que ça? Je n'en ai pas. Ah, mais non, mais pas totalement, jamais. C'est jamais. Il n'y a pas de rupture, il pourrait y en avoir une. Mais elle va être quand même considérable. Elle va être considérable. Et puis tu as l'autre truc, alors c'est côté intelligemment, ma septième, ma sixième utopie. C'est que vrai, il y a une limite aussi à la demande d'une culture qui est une espèce de culture. C'est pour ça que je dis agrément tout en le corrigeant. Mais une culture qui a le label universitaire. Alors, quid du savoir du vécu? La grande bataille d'ATD, c'est le croisement des savoirs. Vous savez qu'on a fait des expériences avec Michel Serres, avec des profs de médecine de haut niveau. On a fait pendant 3 ans de suite, hein, on a fait il y a surtout une année, il y a un bouquin. Le croisement du savoir du vécu avec des gens de la grande pauvreté, il y a du goût, comme du goût artistique, etc. Quid des naïfs en peinture? Ils sont passés, il fallait qu'ils passent par le. Pour être payé, il fallait qu'ils passent par les beaux-arts, ou on leur a appelé un truc académique. Il ne valait pas mieux qu'ils continuent. Hein. Non, mais je veux dire, il y a à voir sur la nature de ce qu'on appelle la culture. Il y aura à aller beaucoup plus loin qu'on n'est jamais allé, oui, avec les nouveaux moyens. En principe, tous les profs doivent passer par les ENS. Oui. Hein, à l'époque, qui eux sont salariés, fonctionnaires, salariés. Les profs. Oui, non, mais on parle de l'accès à la culture générale. Oui. Quand tu prends la serre du CNR, c'est clair. La culture générale du plus haut niveau, elle est faite pour qu'en haut, les gens soient. Et les capacités de servir le bien public. C'est clair. Tu es une vision. Et ils l'appellent, eux, ils osent l'appeler élite. Ce qu'on n'ose plus dire. Parce que quand tu parles de culture populaire, on te dit précisément, ce n'est pas une culture élitiste. Alors eux se rattrapaient, parce que c'était le style de Jean-Jacques Vallon, on se rattrapait en disant, mais il faut que ce soit renouvelé au fur et à mesure. L'élite populaire, elle renouvelle. Ça voulait dire, comme en Roumanie, que les autres, les fils de bourgeois, on leur fermait la porte. Même s'ils étaient meilleurs, il fallait qu'ils soient deux fois meilleurs. C'est comme les femmes. Faut voir où ça mène. Tous ces trucs, sous forme de simple discours, c'est dangereux. Sous forme de simple discours. Donc, comment réhabiliter, parce qu'il y a le papier qui est intéressant, le papier de Sauvageau, mais il s'arrête, donc il l'a arrêté à 70 séquelles. Et ce serait très intéressant qu'on prolonge des réflexions, après avoir vu ce qui émerge du Congrès, sur qu'est-ce qui doit être vu, pas seulement par les étudiants eux-mêmes. La génération de l'accès au savoir, à l'heure actuelle, se fait par d'autres voies. Les universités populaires, il y a les universités Carmont, moi j'ai été très, très estomaqué par l'université Carmont, j'en ai vu plusieurs, sont inégales. Il y en a 8, sont très inégales. Il y a des trucs où j'ai appris, où effectivement j'ai appris ce que j'aurais jamais appris à l'université. Ça, c'est évident. Donc le savoir, il n'est pas non plus. Il faut faire attention. Mais en même temps, l'idée de la revalorisation qui avait disparu pratiquement de la propagande pour la démocratisation me paraissait quand même la balise nécessaire pour pouvoir progresser. Plus on démocratise, plus il faut revaloriser en même temps. Sinon, tu salarieras tous les gens pour leur désir, y compris. Pour aller à l'université du cinéma le soir. Oui, mais bien sûr, ce qui d'ailleurs n'est pas. C'est à chacun son ses besoins, je viens. Mais je crois que c'est en plus, c'est le cas type des réalisateurs de la nouvelle vague.
ce que tu viens de dire. Oui, mais c'est intéressant comme utopie, moi. Je ne dis pas par hasard, je ne suis pas utopie, mais est-ce que ça des... Pour en revenir à l'allocation d'études, d'abord, on a inventé le mot allocation d'études justement pour ne faire moins peur aux bourgeois qu'avec le mot pré-salaire. Voilà. Mais, profession non salariée. D'autre part, c'est aussi un cas où, comme disent les philosophes, la quantité change en qualité. C'est-à-dire que, en effet, c'était valable quand il y avait 150 000 étudiants, et maintenant, à la fois, il y a aussi une généralisation des aides, il y a une foule de gens qui gagnent un peu d'argent d'une façon ou d'une autre pendant leurs études, etc. Il y a des études dont on se demande si ce sont des études supérieures ou des études techniques, etc. C'est devenu impossible maintenant, sauf à dire on va salarier toute la jeunesse entre 18 et 25 ans. C'est évident qu'on ne peut plus prendre... Le problème, et tu sais bien, que président, dans les milieux mutualistes, il a été lancé avec plus rapidité, me semble-t-il, mais c'est très intéressant, le thème justement de l'allocation d'autonomie qui a été repris par l'UNEF sur ce point, mais qui est un thème plus général, repris comme pour l'ensemble de la jeunesse. Or, bien, il faut réfléchir de façon. Voilà. D'abord, est-ce que effectivement le financement est possible? Et c'est pas Sarkozy ou pas Sarkozy, ça n'a rien à voir. Hein. C'est la part générale du budget national que l'on met aux diverses portions. Et puis, Sur la question, parce que l'utopie, par exemple, pré-salaire à l'occasion d'études, les contextes sont évidemment différents, et le rôle de l'université aussi. Parce que à l'époque, effectivement, on est dans la formation des élites, même si c'est au sens, pas d'héritage des élites, l'école nationale d'administration. Personne n'imagine, même ceux qui veulent démocratiser, qu'on va avoir 1,5 million, 2 millions d'étudiants. On peut prendre les exemples, par exemple, des pays de l'Est, même avec la sélection à l'envers. Une des revendications, les revendications des étudiants polonais ou tchèques, pas des Polonais ou tchèques, non, mais c'était l'ouverture à bas la sélection, mais dans le sens, effectivement... Il ne doit pas y en avoir que pour les fils d'ouvriers. Exactement. Oui, parce qu'y compris, ça frappait les fils d'apparatchiks. Mais exactement. Les fils d'ouvriers. Donc, au bout d'un moment, il y a eu une alliance. Et je pense d'ailleurs que l'idée de rémunérer ces futures élites, d'une part, pour permettre une démocratisation, et aujourd'hui, la question de. La question de. Qui est plus générale, qui était celle autour du RMI, du RMI, ça rentre plus dans, d'une part, ce qui correspond à toute la société, le minimum vital pour vivre, etc., et ce qui est ensuite le reste. On a la même discussion, par exemple, sur la santé. On a la même discussion sur la santé, je suis un petit peu impliqué localement, une bagarre, donc un débat avec Grimaldi, qui dit, bon, grosso modo, le problème, c'est... Est-ce qu'on fait des remboursements pour la chirurgie esthétique? Après tout, il y a un certain nombre, qu'est-ce qu'on définit comme soins devant être remboursés, y compris les prothèses auditives, dentaires, bon, ça, sans souci. Et puis après... Si, je sais, parce que c'est la CMU, où tu tombes sur les professions libérales qui ne se trouvent pas assez payées par l'État, pas assez salariés à leur façon, mais c'est un forfait. Les dentistes et les médecins qui ne payent plus la CMU. Voilà. C'est les plus pauvres qui font les frais. Voilà. Alors ça, je connais bien, mais la CMU, je m'en suis occupé très directement. C'est là qu'il n'y a pas que les textes. Il faut voir au bout du coup où ça conduit, l'impact de l'étude d'impact de ces réformes. Non, puis moi, je crois que, par exemple, pour prendre la médecine, on se plaint aujourd'hui des pratiques des médecins de ville. Tout simplement parce qu'ils ont pris comme horaire les horaires des travailleurs, des autres salariés, alors qu'ils sont une profession libérale. Ils revendiquent fortement le côté libéral de leur activité, par opposition à l'hôpital où ils s'en servent, et en même temps, ils pratiquent les mêmes horaires que les bureaux. Ils ne viennent plus sur un coup de téléphone à 2h du matin, bien sûr. Mais c'est pareil, eux aussi, ils disent droit au travail et au repos. Ils disent pareil, pour le dire. Il faut voir, c'est pour ça que derrière le mot démocratie, il faut faire très attention. Si c'est effectivement l'égalitarisme, au bout du compte, parce que si tu donnes à tout vraiment... Même salaire. Ben, il est évident que tu prends le budget national et tu le partages par
Également. Et personne ne foutra plus rien. Ceci dit, tu as... Mais non, ah, non, mais non, tu vois, tu as des non, catégories. Non. Ça ne suffira pas. Tu seras obligé tu redécouvriras les corvées, les trucs en espèces, parce qu'ils essayent de faire certaines communes de façon indirecte. À l'heure actuelle, honnêtement, ça manque d'études sérieuses. Moi, je vois mon frère et ma mère d'une petite commune. Habitants. On paye des impôts locaux par la corvée. Il estime que les gens un peu plus, ils sont limités. Bon, il veut faire des trucs pour la culture notamment, mais pas que pour la culture, parce que ça crée des emplois. On a un vieux château là-haut, en haut, une ruine, qui croule. Il faut la restaurer parce qu'elle va disparaître. Il faut y trouver une activité pour créer des emplois. Des emplois du loisir qui sont dans ce que tu peux faire dans la petite commune. C'est des trucs très connus, il y a des papiers tant qu'on en veut, il y a des rapports tant qu'on en veut. Lui, il le fait. Il le fait, il a fait des corvées bénévoles, avec simplement une fête annuelle où on honore. Alors c'est très samedi communiste, tu me diras. Mais c'est ça, on honore pour telle occasion les maçons, etc., qui ont fait les murets. Et le rôle du travail. Mais pour le reste, on a réussi grâce à ça à avoir une volerie qui a embauché un tas de types, un nombre d'emplois intéressant. Intéressant parce qu'il faut élever les oiseaux, etc. Mais il me dit, c'est en marge de toute activité traditionnelle, de la répartition du budget, où on se casse la tête. Est-ce qu'on donne 2000 aux pompiers ou 2005? Si on donne 2005 aux pompiers, on ne peut plus donner un tel truc pour les femmes. Il y a une limite qui peut être atteinte, y compris nationalement. Il y a des rêves, à l'heure actuelle, sur ce qu'on pourra faire avec le fiscal. Alors donc, moi, j'aimerais bien que, pour revenir au monde étudiant, c'est quand même notre sujet principal, surtout après le congrès, pour nous-mêmes, ce qu'on peut penser, car ça relève la société tout entière. J'aimerais bien savoir si à nouveau, ce qui à mon avis est la seule façon de faire progresser la réflexion, il y en a peut-être d'autres, c'est le rapport entre démocratisation et revalorisation ne doit pas être remis au centre de la réflexion. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu ne peux pas passer de 100 000 étudiants à 3 millions. Quelles que soient les institutions, c'est pas seulement construire des immeubles, c'est pas seulement recruter des profs, c'est pas seulement leur apprendre à parler dans les Antilles. Il n'y a pas que ça. À un certain niveau, surtout avec la concurrence générale internationale, qui fort heureusement, je ne parle pas de la concurrence économique, je parle de la concurrence culturelle. Je parle du haut niveau du savoir. Il n'est pas égal partout. Et tu n'as pas à tout moment... Pas plus que tu n'as eu des équipes de mathématiciens français à un moment donné. Alors derrière le problème grandes écoles, qui est un vrai problème, parce qu'on a camouflé, c'est pas le troisième république, on a camouflé derrière. Tu avais une élite sélectionnée par les grandes écoles. Si tu étends en nombre, tu abaisseras le niveau, comme on va dire. Et on donne l'impression qu'on va donner aux autres quelque chose de moindre. C'est pas vrai. Il y a un moment donné où la conjonction de la revalorisation avec la généralisation des capacités moyennes fait que tu dois avoir un mode qui s'appellera la sélection à un certain niveau. Il est bien évident d'ailleurs ce qui se fait empiriquement entre l'externe et l'interne, puis le chef de clinique et tout. Alors avec le mandarina, on sait ce que ça donne. Heureusement qu'on s'est révolté contre les mandarinas. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une acquisition du savoir technique par étapes. Et tu revalorises, il est bien évident que même si tu donnes une allocation d'études, tu ne vas pas donner la même à chaque niveau. Alors, jusqu'à quel niveau? Alors ces trucs-là, il y a tellement de bavardages sur le sujet qui sont dans les placards, moi j'aimerais bien voir si on est capable de faire quelque chose. Et génération par génération, parce que chaque génération a buté sur des aspects particuliers. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les disciplines, c'est vrai aussi. En droit, c'est pareil, là, ça ne suffit pas un truc. Moi, je vois bien, ce que j'ai appris en fac, je suis navré. Mais il n'y en a pas la moitié qui me sert à quelque chose. Il y a un saut fondamental. Il ne faut pas tomber dans le tricet. Bon, j'ai une aisance sur le droit. Mais honnêtement, c'est un petit tiers de mes connaissances. Bon, le reste, le métier, j'ai commencé. Faire un stage d'avocat, il y avait un stage professionnel. Je n'y ai rien appris. J'ai même été d'ailleurs puni parce que je ne voulais plus venir, je n'apprenais rien. Mais c'était simple ce début. On n'apprenait rien. J'ai appris sur le tas.
Mais c'est le tas, ça nous a poussé à nous auto-organiser. C'est pas par hasard qu'on a été les premiers, la première société civile professionnelle de France. Parce qu'on était obligé d'innover. Il y avait des matières comme endroit du travail. Ce qu'on nous apprenait à la fac, c'était pas mal, mais c'était pas fort. Et c'est grâce à nous, l'accord entre des praticiens de base et de jeunes profs, c'est-à-dire extérieurs de l'université, que nous avons créé, par exemple, un centre d'éducation ouvrière à l'Université de Lyon, puis un centre un IFOCAP, un institut de formation des cadres paysans. Mais c'est venu de l'extérieur, c'est nous qui l'avons fait. Alors, sommes jubilés à croire que les étudiants ont présenté leurs notes à l'État. Ils présenteront leurs notes à qui? À des profs qui leur feront l'enseignement classique. Moi, si j'avais eu cours d'enseignement classique, ben, je ne raconterai pas, mais c'est utopie, hein, je le dis tout de suite. Ça, ouais. C'est clair. Moi, j'ai le sentiment, quand on parle de cette façon-ci de la culture, je me rappelle aussi bien mon père, qui aussitôt après la guerre de 14, va à la fois en fac de droit et en fac de lettres, et 20 ans plus tard, mon cousin Germain, qui fait exactement la même chose. Lettres et droit, avec différents, hein. Il y a une autre différence, ils sont tous les deux de Jarnac, ils se connaissent bien, et Mitterrand. Mais c'était vraiment, dans ce niveau de bourgeoisie, c'était les études supérieures, type, si on ne voulait pas être médecin, on faisait comme ça. Et on voyait au passage, si dans le fond le droit ne tentait plus, ou si l'écriture ne tentait plus. Là, il y avait un clivage social évident, il y avait une bourgeoisie à certains niveaux. Dans la mesure où on veut démocratiser réellement, passer à 3 millions et peut-être plus, il faut. Est-ce que tout passe d'abord par l'enseignement universitaire, alors que l'accès au savoir par d'autres moyens se généralise? C'est à voir quand même. Parce qu'il y a une souplesse aussi à d'autres enseignements. Alors je regarde de plus près. Ma femme fait son cours au Collège de France. Le Collège de France est type même d'institution intéressante. C'est des gens en principe de haut niveau. En sciences, ils ont des prix Nobel. Bon, ça dépend des matières. Hein. Mais c'est des érudits, au moins, en général. Et l'accès est libre. Il n'y a pas de diplôme au bout. Tu viens chercher ta culture si tu la veux. Ça ne te coûte pas un centime. Pas un centime. Et etc. Rien. On te donne, je ne sais pas si tu connais les fiches, par exemple en droit, que ma femme donne gratuitement chaque fois, tu as une liste de 40 à 50 ouvrages sur les thèmes de chaque semaine, tu as un travail fantastique, c'est pas l'université classique qui fera ça. C'est évident. Or, mais malgré tout, tu fais ça. À l'heure actuelle, il y a quoi? Même les cours les plus importants, le plus grand cours Marguerite de Navarre, alors tu arrives à 400 personnes, etc. Maximum, bon. À l'heure actuelle, le Collège de France, depuis l'année dernière, fait podcaster. Ma femme a beaucoup plus de ses cours. Écoutez, quand elle est retombée tout le temps, podcaster, et on lui demande cette année de podcaster, y compris en anglais. Alors, on va pas, on va les payer. Et ça coûte des trucs ridicules par rapport à ce que serait de payer 400 étudiants de plus pour venir écouter le cours. Il faudrait bien quand même qu'on s'interroge sur ça. Le vrai progrès, il utilise quand même les armes techniques nouvelles. L'enseignement du haut de la chaire n'est quand même pas la seule méthode. Et les TP, les fameux TE, les TA, les travailleurs, il y a un intérêt. Mais il n'y a pas que ça comme formule. Et là, les discussions avec Serre, les philosophes, sont intéressantes, parce que lui, pour le croisement des savoirs, les expériences qu'on a faites pendant un an avec la TD Carmonde, on faisait travailler sur le même sujet. Alors au début, les universitaires pensaient qu'on allait faire travailler que sur la pauvreté. Ils allaient apporter leur point de vue sur la pauvreté, puis les pauvres apportaient. Alors le fait que ce sont des problèmes différents, la santé par exemple. Faire parler des gens du Garmonde, comment eux ils voient les problèmes par rapport à la vision de la santé qu'avaient les profs de médecine. C'est très intéressant. Alors il faut un an au minimum, à se revenir chaque semaine, c'est très lourd. C'est l'équivalent d'un cours. Mais je veux dire, il va y avoir d'autres méthodes. Est-ce que vraiment, il faut faire passer tout par les bâtiments qui s'appellent le bâtiment universitaire, avec ce que révèle... Moi, je ne suis pas sûr, ça. Ah ben maintenant, mais la preuve d'ailleurs, c'est que les malades, les allongés, etc., ben, on leur fait un enseignement. Oui, mais il y a le bout du diplôme au bout, parce que dans la première phase, on est au-delà de l'instruction, là, on est dans... Oui. Alors, il y a la formation professionnelle, pour avoir un titre valable professionnellement, un ticket d'entrée. Alors, c'est vrai qu'il y a des autodidactes qui rentrent rapidement, bon. En général, ils sont obligés de doubler le truc. L'exemple que je donne souvent, moi, parce que c'est... Les œuvres qu'on aime bien, c'est celui de...
de Bachelard. De Bachelard, oui. Bachelard, c'est un employé des postes qui a une culture, peut-être les agrégés. Il a passé l'agrégation pour pouvoir aller l'enseigner. Et puis il était à la Sorbonne quand il a proposé le Collège de France, il ne voulait pas traverser la rue. Alors il gardait. Et il avait très peu d'élèves au départ, c'était un truc à part. Et ce type était rayonnant, il doit le savoir. Donc il faut qu'on soit, me semble-t-il, à une époque où on oserait avoir des hypothèses. Qu'est-ce que c'est que la culture de plus haut niveau pour tous? Parce que si c'est la culture nivelée à la moyenne, c'est ce qui risque d'arriver. On élève le nombre, ouais, une espèce de démocratisation mais moyenne, en fait, qui n'est pas rien. Mais en même temps, on ne revalorise pas réellement parce qu'on ne peut pas satisfaire à tout. Mais... au même niveau, c'est vrai. Non, mais t'as peu... Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça utilement? Si tu veux, t'as pas... Au défi du nombre. Oui, c'est pas exactement ça. Mais corrigeons. Non, je pense qu'il y a trois niveaux. Hein. Il y a le niveau, effectivement, l'augmentation, je veux dire, ce qu'on appelle le moyen. Oui. Il y a quand même une augmentation globale. Bon, je veux dire, si on écoute tous ceux qui disent que le niveau baisse, aujourd'hui, on serait pas bête. Hein. C'est pas vrai. Ça, c'est les à peu près les réactionnaires. Oui. Donc, tu as vraiment une élévation, même si c'est. Même si c'est moyen. Oui, il y a des faiblesses en orthographe, on les emmerde avec des trucs de second ordre. Voilà. C'est vrai que. Bon, par contre, existe toujours. Après, c'est comment, que ce soit à l'université. La moitié des enseignements sont des enseignements sélectifs. Les troisièmes cycles, les masters 2, les doctorats, toute une série d'enseignements professionnels. Bon. La moitié des étudiants de l'enseignement supérieur est dans des filières sélectives. C'est ce que je veux pas dire de haut niveau, parce qu'on a des filières sélectives qui ne sont pas forcément des sélections pour moi, c'est voilà. Et tu as parce que une des limites, c'est ça un des arguments aujourd'hui, par exemple, les étudiants disent il n'y a plus besoin de profs ou d'amphi parce que on peut effectivement, moi j'ai vu ça, on voit ça, même dans les congrès. Tu as une salle où tu as la conférence et tu as la télévision à côté. Bon. Petit problème, c'est. Ou alors en individuel, chez soi. Le problème, c'est le problème de l'échange. Parce que tu travailles à la discipline. Voilà, c'est ça. C'est pas travail de discipline, c'est-à-dire ça a effectivement nécessité d'un échange. Alors, autre dernier élément, c'est ce qui vient de l'extérieur. L'université ayant beaucoup intégré. De contestations, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maîtres de conférences, etc. Il y a toute une série de choses qui se développaient hors de l'université. Je prends par exemple le marxisme. Les marxistes, oui. Grosso modo, avaient peu droit de cité en université. Oui. Donc des choses existaient par ailleurs, dogmatique, pas dogmatique et tout. Tout ceci a convergé dans l'université parce qu'il y a des ouvertures, la question de génération. Ce qui fait, par exemple, que même les organisations elles-mêmes s'en remettent à l'université, à l'État, donc, et ont renoncé à un certain nombre de discussions, de formations, qui reviennent au bout du jour, parce que les choses ne peuvent venir que de l'extérieur, en termes de renouvellement. Parce que l'académisme universitaire, malgré tout, c'est aussi une certaine... ça peut figer une certaine forme de dogmatisme. C'était un des avantages, je me rappelle plus subitement le nom du ministre qui a créé l'école pratique des hautes études. Oui. Et l'école pratique des hautes études, dans sa fonction, elle l'avait. Alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, quoi qu'on ait sorti, c'est paradoxal. Le diplôme de l'école, pour la première année, il fallait être auditeur. Ensuite, être accepté par un directeur d'études. Faire avec les deux diplômes d'études qu'on avait prévus, qui se terminaient par une soutenance d'ailleurs, et ensuite, ce qu'il y avait de totalement incroyable dans ce diplôme, c'est qu'il y avait à la fois valeur de baccalauréat, de licence et de préparation au doctorat. Grosso modo, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, mais ça c'est intéressant. Hein. Et aussi une chose qui m'a sidéré, parce que, bon, c'est la voie parallèle et je l'ai allègrement franchie, en partie forcée par la maladie, en partie forcée par ma paresse naturelle. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, j'ai une tendance à assimiler les choses tellement vite que quand je suis revenu de cela, mon frère m'a envoyé par les deux cols de ma veste en me disant, bon, ça ne va pas, j'ai enfin compris que ce n'était pas la peine de se casser le cul pour
de travailler autant pour réussir. Il était d'excellence d'anglais et il a bossé sans jamais se poser de questions. Et comme moi qui étais qui avait apparemment une formation totalement hétéroclite, faite de morceaux, etc., j'avais réussi à être à peu près comme lui, il trouvait que c'était dégueulasse. Mais on n'avait pas le même type d'intelligence l'un et l'autre. C'était tout. Bon, et alors, j'ai beaucoup suivi à ce moment-là, quand je suis rentré de Sana, j'ai souvent accompagné mon frère à assister à ses cours. Et puis, étant dans cette sacrée Sorbonne, une des choses que j'ai remarquées, c'était la distinction qu'on pouvait faire très rapidement entre celui ou celle qui n'avait de culture que le programme obligatoire acquis et celui qui avait réellement une culture générale qui lui permettait de se repérer dans son programme, dans son parcours. Et ça, c'est d'ailleurs toujours ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y ait autant de différences et qu'en même temps, il n'y ait pas une capacité à allumer l'intelligence d'un individu. Hein. Chez mon frère a réussi son bac du côté des maths, pour une bonne raison, c'est qu'un jour, le prof de maths, qui était un enfant de Monge, avait toute une dynastie Monge, lui dit, espèce de petit con de la ville, tu es comme ton frère, tu refuses de travailler en maths. Alors, c'est pas possible que tu aies de telles notes dans toutes les autres matières, pour ne pas être, et que tu restes mauvais en maths. Hein. Et il l'a insulté, car mon frère a fait ça pour une insulte devant la classe. Hein. Et il a réussi à avoir, au-delà de la moyenne, au baccalauréat. Mais c'est tout à fait vrai qu'à cette époque, au lycée, ceux qui ne voulaient pas bosser, qui n'aimaient pas les maths, n'en faisaient pas. Moi, je sais que j'ai compris les maths, qu'à la radio-télévision scolaire, j'ai fait des maths modernes. Mais voyons ce qu'on peut faire, nous, au-delà du congrès, encore une fois, sur le problème, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. Alors, le thème de l'allocation d'études, indubitablement, il recoupe, c'est pas que l'allocation d'études. Quand il parle d'autonomie, l'allocation d'autonomie, c'est plus compliqué, parce que moi, très personnellement, par exemple, en l'état actuel, je vais changer d'avis, j'en doute, mais jamais. L'allocation d'autonomie, je trouve que c'est faux. Le pervers, c'est croisé maintenant, parce qu'il y a des aides de toutes sortes. Voilà. Alors donc... Oui, non, mais là, précisément, il y a toujours eu dans les recherches, la présentation. Lui-même a fait dans sa petite note, le problème de ce qu'on appelait les aides indirectes et les aides directes, on les a toujours mis en parallèle pour voir si on réformait les aides directes, évidemment, on regarderait ce que ça peut avoir ou non comme incidence sur les indirects. Ça, c'est vu. Donc, le problème, je crois, est simplement, j'y reviens avec obstination, savoir si ce qu'on avait cru nous nécessaire, au moment où on a failli y passer, parce qu'on a failli y passer, ça s'est fait à une nuit, on y passait. Et à l'époque, le financement était élevé, mais il était possible. C'est à l'heure actuelle, c'était c'était pas des trucs à l'heure, puis j'ai dans je donne mes archives, on voit bien, là c'était le mur techniquement. Je me rappelle justement le projet Cayol présenté à l'Assemblée, j'étais dans les tribunes, et on avait été chercher le père Cueil, voilà, poser la question la nuit, de confiance. Il fallait le président du conseil, exactement, tu as raison. Il avait été le tirer du boxeur du maître pour qu'il vienne. Et on a dit où est Simonet, si tu te souviens la suite. C'est-à-dire où est le représentant de la commission des finances. Ah oui. Et le président de la commission des finances était taillé exprès, Simonet. Un démocrate chrétien, il était rentré à Valence. On nous a prévenus par téléphone. On a envoyé, nous, de Lyon, de l'AG de Lyon, une escouade cerner sa maison à Valence. Et puis, Simonet n'était pas là, il n'était pas. Et c'était de toute façon désespéré. Cueil ne voulait pas, n'avait pas voulu, évidemment. Ils avaient hésité à arbitrer, et c'est la commission des finances qu'on avait perdu. Simonet n'était pas d'accord. Mais pour revenir à un autre problème, moi j'aimerais savoir, parce qu'il faut des thèmes simples. Au-delà de l'allocation d'études, encore une fois, il y a l'allocation d'autonomie, et donc telle qu'elle est présentée, elle n'est pas seulement pour les étudiants. Elle est intéressante parce qu'elle a prospéré intellectuellement dans un milieu qui n'est pas rien, qui est très loin de là, qui civiquement est un milieu essentiel, qui est un milieu mutualiste.
C'est notamment comment il s'appelle, et qui s'est occupé beaucoup de la CMU, je le dis dans mon livre. Il veut être candidat à la présidentielle, je crois. Il s'occupe avec les... il travaille avec les syndicats. Regarde mon nom, son nom. Tu vois où est-ce que je le cite? Mais quand je parle de la CMU, c'est donc à la fin. Basse. C'est, il beaucoup. L'astuce de présentation qu'on faisait Julliard en 007, c'était le fait que tout était, tous les revenus étaient déclarés, dont l'allocation d'autonomie, et était imposable comme tout. Bien sûr, non, mais ça a été réfléchi. C'est pas quelque chose à réfléchir. Oui, c'est peut-être compliqué que. Comme système, c'est sûr qu'il y a un surcoût au démarrage institutionnel, mais en principe, il y a déjà un retour par l'impôt. C'est ça, voilà. Que c'est... ceux qui ont des revenus. Exactement. C'est-à-dire ce qu'on répondait au communiste quand il disait. Tout à fait. Mais ça a été étudié sur la. Oui, ça a toujours été dit, mais au moment de l'allocation d'autonomie, au congrès de Lille, il était très clair dans l'esprit du Liard, etc. Et ses amis, que l'impôt s'imposait à, aux allocataires. Non, un des arguments ça, aussi. C'est une façon de redire. Oui, un des arguments en faveur de la chose, c'était, par exemple, par rapport aux études longues aux médecins, c'était de permettre une réduction des écarts de salaire. Ultérieurement, puisqu'effectivement, beaucoup de médecins disent, mais nous, on a fait des sacrifices pendant 10 ans, 12 ans. Donc maintenant, c'est normal qu'on ait droit à... C'est ce que fait le RSA pour ceux qui reprennent une activité professionnelle. Et seraient... Oui, c'est Daniel Scornet. Ah oui, Daniel Scornet, bien sûr. Oui. C'est lui qui a été les premiers parce qu'il a, il l'a pensé pour la, pour la, pour la CMU. Oui, oui. On a été d'accord en même temps. Puisqu'avant, c'était un système d'assurance qui était prévu. Pour l'assurance de ceux qui n'étaient pas couverts. On est passé quand même à un système plus intéressant, une couverture maladie universelle, simplement en but, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant sur les professions elles-mêmes. C'est ça. Qui refusent de se contenter de ce que l'État donne. Et alors, le signe monétaire devient la, permet de faire l'échec au droit, ce qui est terrifiant. Et il y avait des fois l'effet inverse, pour le centre dispensaire de Saint-Étienne, il y avait des dentistes qui justement prônaient les prothèses, ce n'était pas forcément nécessaire, parce que c'était pris en charge par la CMU. La sécu. Et donc, je sais que la directrice a pris sa retraite avant l'heure, parce qu'elle a dit j'en ai marre, j'ai retiré. Il y a eu un débat extrêmement difficile sur ces questions. Et alors là, c'est là, est-ce que l'allocation d'autonomie ou l'allocation d'études reprises peuvent être isolées maintenant du problème général de la jeunesse? Puisque, y compris les thèmes du Congrès, et à juste titre, ils parlent de, du déclassement de la jeunesse en général. Oui. Et ils n'ont pas tort. C'est, c'est le sentiment. Travailleurs intellectuels, nous-mêmes, on a commencé par là. Le déclassement, c'est un sentiment très général. Bien sûr. Mais je veux dire, les réponses économiques elles-mêmes, l'allocation d'autonomie, elle est conçue pour l'ensemble de la jeunesse. Tout à fait. Parce qu'il y a des problèmes d'apprentissage sous notre dos, le jour où on passe. Vous n'oubliez qu'à côté des 2 millions d'étudiants, il y a un autre million en formation. Bien sûr, exactement. De niveau équivalent. Alors, qu'est-ce qui peut être dit de ça pour ne pas se fourvoyer à nouveau dans un truc qui butera sur l'incapacité budgétaire et qui servira de nouveau à remettre dans les placards? Qu'est-ce qui peut être mis en route? D'une part, pour le mouvement étudiant lui-même ne perde pas le fil de ses combats. D'autre part, qu'il ne le fasse pas en se coupant du combat plus général, légitime des jeunes, ce qu'on appelle l'autonomie. Moi, j'aime pas le mot autonomie, effectivement, parce que c'est en fait changer de dépendance. Mais qui ne change pas. Ça a une réponse sociale. Hein. Sociologiquement, aujourd'hui, quand les familles sont de type nucléaire, ça a une raison évidente. Donc, en clôture provisoire de nos savants travaux. Et je pense que ça ne peut avancer, en fait, qu'en faisant ça progressivement, année par année, au fur et à mesure qu'on peut. Oui, mais si on le fait, quel rôle joue-t-on, nous, comme groupe de réflexion ou autre, que c'est quelques personnages qui sont là, nous-mêmes? Moi, je voudrais voir donc, ce qui va remonter du Congrès, ce qui est intéressant, parce qu'apparemment.
toute la partie analytique me paraît très bonne, et le sociologue, je ne connaissais pas, on m'a donné des références, je crois que c'est très sérieux sur le déclassement, je crois qu'il y aura un bon truc. Sur l'illustration de la solidarité avec la jeunesse, en fait, dire un gars de la joc, en fait, tout ça, c'est bien fait. Je crois que leur congrès est bien préparé. Simplement, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pour ce qu'on a à dire, nous. On a à dire, je témoigne, j'en ai parlé l'autre jour, on témoigne la lutte contre la fatalité, ce qui est le but final. Donc, ça, c'est clair. Simplement, après, dans l'organisation de la lutte contre la fatalité, une année civique comme cette année qui arrive, où la bataille va être largement sur des problèmes fiscaux, l'aspect fiscal de la politique, est-ce que utilement on peut participer à un éclairage qu'on pourrait remettre en circulation aux côtés de l'UNEF ou autrement? C'est ça. Parce que sinon, on va colloquer comme tant d'autres. Est-ce qu'il y a, et ça c'est quand même assez urgent, parce qu'on arrive à des stades budgétaires, effectivement, on en a à se réjouir, tant entendu toute la pauvre bagarre tout à l'heure. On est tombé de 7,7% à 7% tout court, et on aura 3% d'actualité. C'est aberrant. Autant que je me souviens, la chiffre initiale était de l'ordre d'être à 2,5%. Et pendant ce temps-là, si tu as gaspillé la jeunesse, tu veux dire, c'est vrai que tu peux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile après ce congrès? Moi, j'aimerais savoir si les anciens, on pourrait organiser avec l'UNEF elle-même, bien sûr, de leur côté, mais dans le sens qu'ils voudront. Avec leur autonomie de pensée, en tout cas. Mais quelque chose qui, pour l'année civique, encore une fois, éclaire le problème et de l'allocation d'études proprement dit pour les étudiants, et plus largement, le problème de ce qu'on appelle l'allocation permis de la jeunesse. Dans la bataille fiscale, les choses sont claires. Sinon, je connais beaucoup de gens d'opinions très diverses, de situations sociales très diverses, de haut en bas de l'échelle, qui se cherchent sur ces problèmes. Parce qu'ils ne sont pas clairement... Ils ne sont pas explicités suffisamment. Est-ce qu'il y a un rôle utile? Est-ce que ça vous paraît utile de le faire? Oui, autant que je sache, le mouvement étudiant a toujours eu une tendance à aller voir les candidats. Et ils comptent. Alors, vraiment, ce qu'ils avaient l'intention de faire, les étudiants sont maintenant en répondant aux questions que posaient les étudiants sont un groupe. Sur un groupe qui peut être puissant. Et ça, l'UNEF n'en parle pas, mais ça pourrait en effet. Évidemment, l'UNEF ne va pas donner une consigne de vote pour la présidence, mais elle peut donner les réponses des candidats aux questions qu'elle pose. Indépendamment du vote, du fait de leur présence, si le message qu'ils ont, avec leur poids électoral, que les candidats connaissent, si ce message témoigne de sa capacité de rayonnement, comme on dit en nucléaire, de radiation. C'est-à-dire si des gens comme nous, j'en parle comme René, si l'on voit, je le vois pour la bataille du logement. La bataille du logement, on a réussi à faire passer la loi, comme tous les pronostics, les dialogues, quasi unanimité. Après, on bute sur des trucs très précis. On gagne dans les deux tiers du territoire, mais les médias et la plupart des politiques croient que le dialogue est à l'eau, comme on dit. Parce qu'en Ile-de-France, il y a un blocage, oui, essentiellement Paris. Les deux tiers des deux tiers, en plus, c'est Paris. Oui. Faire du logement social à Paris, en plus, avec des tarifs convenables, alors qu'ils ont grimpé les prix, y compris pour les classes moyennes, c'est évidemment impossible par la loi. C'est évident que ce n'est plus un problème juridique. Oui. Et ce n'est pas un problème économique classique, qui est de simple redistribution d'un gâteau, en faisant des parts plus petites. C'est pas vrai. C'est une question d'aménagement du territoire. Ben oui, mais qui est plus large. Alors, pour les autonomies, je voudrais savoir ce qu'il en est, après les diverses simulations budgétaires qui commencent à se faire. Qu'est-ce qui pourrait être appuyé si le mouvement étudiant lui-même, avec sa vision, donc l'unité générale de la jeunesse, proposait quelque chose? Parce que l'année civique, ça n'a pas loupé. L'année présidentielle, c'est important. Parce que ce serait souhaitable que quand même on fasse quelque chose, sinon... Oui, il faudrait aussi avoir... Ma manie d'être citoyen, tu vois, j'aimerais bien que dans la vie civique, nous soyons des citoyens utiles au mouvement étudiant qui fut le nôtre, et plus largement à la jeunesse de ce pays.